Qu'est-ce que c'est que ça? J'en veux pas, moi. Tous mes objets que j'ai... Vous perdez la moitié de votre argent. 55. Oh là là, j'ai plus que 28 d'argent. Par contre, j'ai encore mon stuff. Colonne, 35e étage. Cool, on est bien descendu, hein. 35e étage. Vous découvrez une étrange colonne. Vous en approchez pour regarder, mais ne trouvez rien. Partir ou partir. On a vu la colonne. Pas de problème. Une porte. Une porte menant vers le biome champignon. Ah ouais? Est-ce que je suis déjà allé vers le biome champignon, moi? Est-ce que je continuerai pas un peu? Je continue. Un raffut. Un rarfut. Hop, on le défonce. Dans le combat au bouclier. Boum! Et heureusement, j'ai regagné un peu de pièces. Je l'ai dépouillé son or. Ça, c'est cool. Et on tombe sur un coffre. J'ai 4 clés. Nickel. Et de la poudre à canon, c'est... Ah, j'en avais déjà. Merde. Je la ramasse. Une chauve-souris géante. Elle était perchée au plafond, mais des lumières de torches l'ont réveillée. S'enfuir. Je me casse. Ah, un pot de sable. Ah, mais j'ai pas d'épée. Tant pis, on laisse de côté. Une pile d'os. Allons fouiller cette petite pile d'os. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Une dague. Et ça, c'est cool. Parfait. On s'équipe. Humanité 54. Hein. Force 12, 19. Charisme 4. J'ai repris un peu de charisme. Et chance 48. Ok. Apothicaire. Quelle potion désirez-vous acheter? Flasque de vigueur. Flasque du crépuscule. Ou flasque des géants. Alors les géants, ça remet de la vie et de l'humanité. Et le crépuscule, ça remet les deux. Ces deux-là, je crois. On va prendre ça. Flasque du crépuscule. Et écoutez, je vais la boire maintenant. Voilà, 10 et 10. Nickel. Parfait, un gobelin. On le latte. Est-ce que je peux le latter à coup d'épée? Ouais. Alors, lui mettre un petit coup d'épée. Boum. Il disparaît. Un anneau avare. Alors, un anneau avare échange de l'humanité contre de l'or. Ah, j'ai plus que 28 d'or. Est-ce que je... Pourquoi pas? Yes. Ok, mais je suis con, j'aurais pas dû faire ça en fait. C'était l'inverse. Je pensais que j'allais regagner... Je sais pas pourquoi, je pensais que j'allais regagner de l'or, mais n'importe quoi, je suis débile moi. Le livre des voyageurs, j'ai fait une mauvaise manip là, je pense que ça pue la mort tout ça. Merde, parce que quand on meurt de pauvreté hein, dans ce jeu, dites-le vous. Comme en vrai d'ailleurs. Livre du voyageur temporel, un livre spirituel permettant de remonter le temps. J'ai combien en intelligence? 25. Ok, alors qu'est-ce que ça fait? Voyons mes stats. Je suis à 18, 64. Alors 18, 64, 91. 18, 62, 91. Ça n'a rien fait. Mais j'ai un livre qui... Je sais pas à quoi il sert celui, j'ai pas compris encore. Bon, là, on prend la clé. Et là, on a de nouveau des boucliers, mais celui-là, c'est le meilleur. Hein. Donc là, pour l'instant, on veut rien de tout ça. La vie, je suis à 100%, parce que là, on a trouvé une bannière dans un hall. Un beau hall dans lequel on vient d'arriver. On trouve une bannière, on peut faire des bandages avec, mais j'en ai pas besoin. Donc on finit d'avancer dans le hall. Et là, il y a encore ce satané araignée. Esquive, une flamèche. Alors, flamèche, le combattre, je crois qu'il est super puissant, je l'ai jamais laté. Par contre, ce que je peux faire, c'est le nourrir avec une torche et me barrer en courant. Donc, c'est ce qu'on va faire. Fiole de vision, soigne la cécité. Alors, ça, on va la boire de suite. Et hop, vous voyez que ma cécité est partie. Et là, on tombe sur Unga. Ungag. On tombe sur Ungag. Donc, j'ai mon effet de potion. L'amour liquide, la malédiction de l'amour liquide est de mise quand vous le portez. Ah, mais ça m'a fait chier, mais j'aimerais bien ne plus l'avoir. J'ai la carte, j'ai l'anneau. L'anneau, on va pas le dépenser maintenant. Ok, donc allons latter ce Ungag. Je suis à l'étage 50 hein, déjà. Hein. Combattre contre Ungag. Moins 75. Moins 75 de vie. Alors je vais lui mettre un gros coup de bouclier. Mais vu qu'il a plus de force que moi, il est beaucoup plus fort. Je vais perdre 75% de ma vie. Mais attendez, parce que là, je suis à 83. 48, 14. Parce qu'après, je peux regagner des stats. Donc, on va le latter au bouclier. Boum! Trophée d'Ungag. Ça dégage. Vous sortez victorieux du combat. Le grand orc est mort. Voir le trésor. Petit coffre d'Ungag. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Bénédiction du boss. Alors là, vous voyez que j'ai plus que 19 de vie et 14 de pièces. Alors, les pièces, je pense que je peux en regagner. Assez facilement. Plus que de la vie. Donc, on va se soigner. Plus 50 de vie. Plus 50 d'humanité ou plus 50 de pièces. On va prendre plus 50 de vie, au cas où. Oh, vendeur de... Oh, mais non, merde, je peux rien acheter. Oh, je suis deg. Moins 60, moins 50 et moins 30. Je peux rien acheter. Oh, les méga boucliers. Oh, je suis deg. Ok, étage 51, on continue. Un sacré gonflé. Un ennemi commun formé de grands os. Allons lui défoncer sa face. Moins 10. Ouh, il est costaud, hein. Moins 10 plus 6 pièces, ça c'est cool. Alors on va utiliser un peu l'épée. Bam. Et là, on est à 73. Ok, on trouve une clé. J'ai 5 clés.
Table d'alchimie, vous n'avez pas les connaissances requises pour faire ça. Mince, je peux pas faire mes potions moi-même. Dommage. Ça va. Un totem de l'inconnu. Veux-tu connaître un secret? D'accord. Moins 32 vies, plus 15 partout. Laisse-moi tranquille. Bon, ben on va perdre de la vie, on va reprendre 15 en tout parce que... Combien j'ai de vie? 65. Pff. Le choix est difficile là. Par contre, 30 et la 20, il faudrait que je reprenne un petit peu des autres ressources quand même. Allez, on va s'équilibrer. Je vais frotter le totem. Hop. 35 de vie. Hein. Par contre, 43. Là, on est pas mal. Recette de potion, on la ramasse. Allez, on avance. Ah, un sorcier. Sorcier désire vendre des biens. Ses prix dépendront de votre charisme. Charisme, j'ai 8. On se casse. Oh, je suis passé à 0 en intelligence. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas vu à quel moment c'est tombé. Une seringue d'urgence. Soigne 15% health and energy. Utilisez maintenant, bien sûr. Ah, on s'est mis une petite picouse. Et là, les stats aléatoires. Allez, on y croit. Oh my god! Ce que j'ai ramassé, j'aurais jamais dû boire dans ce chaudron dégueulasse. Qui a laissé ce chaudron dans ces couloirs, sérieusement? 24 et 15 d'humanité. Et la fée? Je peux t'offrir quelque chose de positif ou de négatif sans pour autant savoir ce que ce sera. Je peux pas, hein. J'ai 15, là je perds, je meurs. Merde. Tant pis, désolé la fée, je peux rien faire pour toi. Alors j'ai mangé le fruit, mais ça m'a juste fait perdre de l'humanité. Merde, une caisse en bois, on la casse. Oh là là, je vais crever. La massue en avant. Un feu de camp. Oh mon dieu, je suis sauvé les gars. Pff, un feu de camp. Alors, vous trouvez un petit feu qui dégage suffisamment de chaleur pour vous reposer. Alors là, de ce côté-là, se reposer ici, donc 50 et 50. Et de l'autre côté, plus 100 d'humanité. Oh my god. Un mâchouilleur. Ok, la partie n'est pas finie. Dis donc, elle dure longtemps cette partie du coup. Un mâchouilleur, le combattre. Allez, let's go, on y va. Combat contre le mâchouilleur. Épée, moins 10, plus 30. Ouh, bien, et là, moins 10, plus 30, c'est pareil des deux côtés. On va utiliser le bouclier, on va lui mettre un gros coup de bouclier dans le front. Bam. Et on va regagner plein de sous. Et ça, c'est cool. Et donc, du coup, on a des pansements. On a 55 de vie, ça pourrait être bien les pansements. On va prendre ça. Bandage. Le prendre. Hop là. Et une potion de vision. Qu'est-ce que ça, folie? Altère votre conscience et fait apparaître des mirages. Merde! Je suis en train de devenir fou. Il faut que j'arrête de boire autant de potions, moi. Alors la potion, on la ramasse. Vous voyez qu'elle s'est mise ici. Wow. Des méga épées. Ok, c'est combien? Moins 40, moins 50. Combien j'ai? 44. Oh putain. Moins 25, épée de fer. J'ai encore la dague, je la prends pas. Hein. J'ai pas assez de sous, les gars. Je vais crever après. Ok, c'est fort. Épée de l'œil de Lilea. Purée, mais c'est trop stylé. Et là, c'est l'épée de Minecraft. Épée de Minecraft. Non, c'est l'épée Lykir. Mais j'ai encore cette malédiction de Lykir, là. Saloperie. Je prends rien parce que j'ai que 40 pièces. Et c'est 40. Je vais avoir plus que 4 pièces. Quoique, si je me bats, je vais regagner des pièces. Je la prends. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Une clé, j'en ai déjà 5, je la laisse là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis jamais tombé là-dessus. Moins 15 de par... Oh! Je suis pas mort? Il me reste 4 de monnaie. Je me suis échappé. Oh purée, je suis pas mort, je pensais que j'allais mourir. Ouvrons ce coffre. Une potion de vision. Je la branche. Je la bois. Ok, j'ai plein d'effets dégueulasses. J'ai crevé. Le pleureur. Un ennemi imprévisible. Une fois mort, il reviendra à la vie et vous volera toutes vos clés. Enfoiré. Moins 15. Le combattre. Je le combats. Boum. Ah, il va me voler mes clés alors. Que voulez-vous faire? Moins 10 et 8. Je lui mets un coup d'épée. Slash. J'ai plus que 12 pièces. Le pleureur. Une âme à peine errant. Une âme en peine errant dans le donjon à la recherche de clés. Donnez une clé. Allez, tiens, prends une clé. Prends une clé. On nous embête pas, prendre une clé. Pile d'os. Fouillons à l'intérieur. Un bouclier en bois. En levant. Et on a un peu de soupure. On est toujours pas mort. Étage 70. C'est cool. On y va. Je sais pas si je mettrai cette partie en deuxième vidéo. Je pense que je la mettrai plus tard parce qu'elle dure super longtemps. Clé maudite. On la prend. Une torche. On la prend. Un bouclier d'or. Waouh. Est-il pour moi de vos ennemis malgré qu'il soit fait de verre? Il a une bonne résistance. Tac, encore le pleureur.
Non, pas de clé pour toi, désolé. Oh, j'ai perdu grave en humanité. Oh, ce qui m'a mis en humanité. J'aurais dû lui donner une clé. Et on arrive à l'hôtel du 75e étage. Cool. Une sculpture en pierre dans la partie supérieure ressemble à une croix. Purifie mon esprit. Yes. Salut l'alchimiste, j'ai deux potions à te filer. Oui. Alors, une potion d'humanité. On va la... Combien je suis? 75, 25. On la boit, je vais être à 95, 93. Et une flasque du crépuscule. Alors, celle-là, on va la boire. Comme ça, j'ai plus les effets de cécité. Et on va se garder ça de côté. Et on a fait ça avec les deux recettes de... Je suis dégoûté. Qu'est-ce que j'ai branlé? J'ai dépensé tous mes sous, mais comment? Vous êtes pauvre. Vous n'avez pas de quoi vous sustenter pour le restant du voyage. Mais je suis deg, les gars. Dégoûté. Bon, et bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. On repart pour l'aventure. Je sais pas si je la mettrai en deuxième, quoique, pourquoi pas. En tout cas, moi j'enchaîne. À demain. À très bientôt, en tout cas. Si les séries, si les vidéos vous plaisent, je continue. On va voir, je vais en faire 5-6 et on verra votre retour par rapport à ça. En tout cas, je trouve ce petit jeu très sympa. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire. On se revoit très prochainement pour la suite. Bon jeu à vous, pardon. Ciao, ciao. Ah oui, pardon, le score. Donc, je suis mort, on est à l'étage 77. Ton score, 5770. Étage atteint, 1155. Santé, alors c'est les points qu'on gagne. Hein. Tout ce qu'on a récupéré. Argent, 0. Réalisation, 1750. Et là, on voit normalement, voilà. Your Life, il y a marqué un petit peu le récapitulatif de ce qu'on a fait, des milestones, des étapes qu'on a passées. Oui, on a bu une potion de vision. Ça marque un petit peu toutes les étapes qu'on a eues au long de notre partie. Bon, les amis, ciao, ciao.